Un des problèmes auxquels se heurte le géologue est celui de l'arbre fossile, dont il existe quelques exemplaires en Australie, en Amérique et ailleurs. On peut en voir qui traversent verticalement plusieurs épaisseurs de houille. En voici par exemple un qu'on trouve dans une mine de charbon de Birmingham en Amérique. Certains ont jusqu'à 12 mètres de long et traversent plusieurs bancs de roches. Ce schéma donne une idée de tel cas. Ce qui est curieux, c'est qu'on nous dit qu'un seul de ces bancs aurait pu mettre des millions d'années pour se former. Si c'était le cas, cela aurait donc duré des millions d'années pour enterrer un arbre. Ce n'est pas possible, car l'arbre aurait pourri ou serait décomposé bien avant d'être complètement enterré. Comment alors expliquer ces fossiles? Un savant s'est penché sur ce problème, et l'épisode que vous allez voir vous donnera une idée des implications de son étrange et passionnante découverte. Pour suivre l'explication, il faut bien comprendre la différence entre une couche et un banc. Ici, vous voyez des bancs de couleur orange, jaune ou bleu. Dans chaque banc, vous pouvez apercevoir plusieurs strates. Ce que vous ne pouvez pas voir, par contre, ce sont les couches de sédiments. Vous ne pouvez les voir, car lorsque chaque couche de sédiments arrive, elle se divise en bancs, comme ce que vous voyez. Si vous pouviez voir les couches, elles ressembleraient en gros à ceci. À la fin du film, vous comprendrez pourquoi il est essentiel de comprendre la différence entre les bancs et les couches. Non seulement vous aurez la solution au problème de l'arbre fossile, mais cela vous expliquera aussi pourquoi la théorie de l'évolution s'effrite. Un véritable drame. Qu'y a-t-il de si important à propos de ces roches? Ce ne sont pas n'importe quelles vieilles roches. Elles sont composées en majorité de petites particules de sédiments. On les appelle des roches sédimentaires. En fait, elles recouvrent les trois quarts des terres du globe. Chose curieuse, elles ont toutes été formées sous les eaux. Lorsque le niveau de l'eau a baissé, les sédiments ont été exposés à l'air libre. Ils ont séché et sont devenus des roches. Regardez cette falaise. Vous voyez qu'elle est divisée en bancs. Le banc de grès a été coloré en jaune, le banc d'argile en bleu, celui de calcaire en orange. Chaque banc se divise lui-même en strates. Ces lignes horizontales sont des strates. Afin de comprendre l'histoire incroyable que ce film va vous présenter, il faut examiner de près ces strates. Elles sont disposées de façon rigoureuse. Les grosses particules se réunissent dans la partie inférieure de la strate, alors que les plus fines se déposent dans la partie supérieure. Cette disposition se retrouve à tous les niveaux des bancs. Quelquefois, on aperçoit une cassure ou un joint entre la strate inférieure d'un banc et la strate supérieure du banc immédiatement en dessous. Cela s'appelle un joint de stratification. Depuis un certain temps maintenant, on soupçonne que ces roches ont un secret. La découverte de ce secret aboutira à un changement de nos idées sur un sujet des plus importants, celui des origines de l'humanité. L'un des premiers experts en roches sédimentaires était allemand. Il s'appelait Johannes Walther. Alors qu'il séjournait en Italie à la fin du siècle dernier, il examina des sédiments dans la baie de Naples. En creusant verticalement dans les sédiments de la baie, il découvrit que les bancs qui reposaient les uns sur les autres suivaient le même ordre que ceux qui se trouvaient les uns à côté des autres, horizontalement. L'ordre des bancs qu'on pouvait voir les uns à côté des autres en allant de la côte vers la pleine mer était le même que l'ordre des bancs verticaux. That lay on top of each other in a downwards direction.
Il se rendit compte qu'on se trompait en affirmant que le banc du fond était nécessairement plus ancien que celui du dessus. Il devenait clair que tous les bancs, ceux du dessus, ceux du milieu et ceux du fond, étaient encore en train de se former. Ils se formaient latéralement. Ainsi, une partie du banc supérieur avait le même âge qu'une partie du banc inférieur. Assez rapidement, Walter comprit la cause de cette formation latérale des bancs. Les particules de sédiments se déversant dans les mers, apportées par les rivières, les inondations et le vent, se trient entre elles selon leur taille. Les plus grosses particules, celles colorées en jaune, restent près de la côte. Les moins lourdes, en bleu, sont entraînées un peu plus loin. Et les particules les plus fines, colorées en orange, sont emportées par les vagues et les courants encore plus loin. On peut voir que les couches de sédiments se déposent les unes à côté des autres. Les particules de sédiments dans les couches se trient suivant leur taille, dans les bancs de types variés de sédiments. Ceci pourrait être un banc de galets, celui-ci de grès, celui-ci d'argile. Ainsi, les bancs se forment latéralement. Ce morceau de banc le plus proche de la côte est plus ancien que ce morceau du même banc plus éloigné de la côte. Ainsi, cette partie du banc au fond a le même âge que cette partie du banc au-dessus. Les autres experts en roches sédimentaires réagirent alors en déclarant que la découverte de Johannes Walter expliquait seulement la formation des roches côtières. Mais à leur connaissance, les sédiments des profondeurs marines s'étaient déposés les uns au-dessus des autres. Par conséquent, la couche du dessus était forcément plus jeune que celle du dessous. Dans cette falaise, formée probablement de sédiments au fond des mers, on croit que les strates du banc au fond sont beaucoup plus anciennes que celles du dessus, ici. Pourquoi ? Parce que les géologues croient que les strates et les couches ne sont qu'une seule et même chose. Dans les années 70 et 80, plusieurs échantillons de sédiments ont été ramenés en creusant le fond de l'océan Pacifique par le vaisseau le Glomar Challenger. Ces forages ont apporté la preuve que la découverte de Walter s'appliquait aussi bien aux sédiments provenant du fond des mers. Cela signifie que virtuellement toutes les roches sédimentaires du monde ont dû se former de la même façon. Qu'est-ce que cela signifie au juste? Tout simplement ceci. Prenez le Grand Canyon, celui du Colorado aux États-Unis. C'est le plus grand, le plus large, le plus profond, le plus long des canyons de la Terre. Sur ses côtes, on voit des bancs de sédiments, les uns sur les autres, sur toute l'épaisseur du bas jusqu'en haut. On dit que chaque banc indique un âge géologique. Mais ce que nous savons aujourd'hui, grâce à Johannes Walter et au forage du vaisseau le Glomar Challenger, indique que des parties de bancs différents peuvent avoir le même âge. Pourtant, certains ont beaucoup de mal à accepter cette découverte. Deux événements récents doivent lever tous ces doutes. En 1980, le mont Sainte-Hélène, un volcan des États-Unis, a explosé. Il détruisit une immense forêt voisine et déclencha un raz-de-marée dans un lac proche, le lac Spirit. En quelques heures, 200 mètres de sédiments se déposèrent et formèrent des roches en se desséchant, des roches avec leurs strates. Suite à l'explosion, la poussée d'énormes quantités de boue creusa un canyon à travers les roches avoisinantes, un canyon de plus de 30 mètres de profondeur et de 60 de large. Alors qu'on a cru qu'il fallait des millions d'années pour former des canyons et des strates dans les roches, ces deux formations géologiques se sont formées en quelques heures. Le deuxième événement a eu lieu dans un laboratoire. Un sédimentologue français, Guy Berthaud, a découvert deux faits d'importance capitale. Le premier est celui-ci. Le sable s'écoulant de façon continue, que ce soit dans le vide, dans l'air ou dans l'eau,
se trient alternativement en dépôts de petites et de grosses particules, qui ressemblent à des couches, mais n'en sont pas. Un deuxième fait est apparu durant les expériences que Guy Berthaud a dirigées à l'Université du Colorado. En observant le dépôt de sédiments entraîné par un courant d'eau circulant dans un canal à parois transparentes, il a constaté que lorsque la vitesse diminuait, les grosses particules sédimentaires se déposaient seules. Tandis que lorsqu'elle augmentait, des laminets se formaient. Ainsi, le granoclassement répétitif qui caractérise les strates n'est pas obligatoirement, comme l'ont cru les géologues, l'effet de couches successives, mais il peut être aussi bien l'effet des variations de vitesse, du courant d'entraînement des sédiments. Une autre découverte intéressante est celle-ci. Les joints ou les cassures entre les strates résultent de la dessiccation ou de l'assèchement des sédiments. On pensait jusqu'alors que ces cassures étaient dues à l'interruption de l'arrivée de sédiments. On croyait que la surface de la dernière strate déposée s'était durcie et que des années plus tard, de nouveaux sédiments avaient recommencé à se déverser et qu'ainsi une nouvelle strate s'était formée au-dessus de l'ancienne. Cette explication doit être abandonnée à cause de deux nouvelles découvertes. D'abord, comme l'ont montré les forages du vaisseau